Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, nous avons reçu la question d'un de nos clients concernant cette petite pièce que vous avez donc au-dessus de la sortie classique vers le flexible sur le carter de filtre, notamment pour les pompes 600, 795 chez Graco par exemple, ou bien marque 7 et 10 comme celle-ci. Donc vous avez cette petite pièce qui est vissée normalement, généralement donc au-dessus de la sortie officielle, entre guillemets, du tuyau. Et donc, comment peut-on utiliser donc cette pièce? À quoi sert-elle? Donc en fait, tout simplement, c'est une deuxième sortie, donc forcément, comme on s'en doute, du carter de filtre. Maintenant, à quoi ça peut servir? Eh bien, tout simplement, c'est une pièce donc, que vous allez pouvoir dévisser et vous allez pouvoir utiliser donc, avec un adaptateur spécifique que vous pourrez également trouver sur notre boutique. Et donc, en plaçant en fait, tout simplement cet adaptateur à l'intérieur au-dessus, vous pourrez donc relier deux flexibles. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir deux flexibles reliés à votre pompe? Le premier avantage, bien sûr, c'est que vous avez donc du coup deux tuyaux qui seront branchés, similaires ou différents, et donc que vous pourrez utiliser de sorte à pulvériser, par exemple, dans le cas d'un même matériau, donc avoir deux pistolets, deux flexibles, et donc travailler beaucoup plus rapidement sur les surfaces à pulvériser. Le point négatif à prendre en compte néanmoins, c'est que forcément deux sorties veut dire également que la pression, le débit sera donc divisé et donc vous aurez forcément à utiliser des tailles en buse notamment qui seront plus réduites que par rapport à l'utilisation donc d'une seule sortie pour flexible. Donc vous pourrez travailler plus vite, néanmoins si vous avez besoin de travailler avec une taille assez élevée en buse par exemple, et bien vous serez peut-être bloqué si jamais donc les deux tuyaux sont reliés en même temps. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que au final, vous n'êtes pas forcément obligé de travailler avec les deux tuyaux en même temps. Ce que vous pouvez également faire pour gagner du temps sur un chantier, donc principalement si vous avez besoin de travailler avec deux matériaux différents, je pense principalement à des peintures et également des enduits par exemple, ou bien vraiment deux types de peintures différents avec des épaisseurs différentes. Ce que vous pourrez faire, c'est donc relier les deux flexibles donc adéquats sur votre pompe. Utilisez donc faire une première pulvérisation en amorçant votre pompe avec le premier flexible. Et ensuite, lorsque cette première pulvérisation sera terminée, donc forcément pas dans la même pièce, vous pourrez, sans avoir à dévisser quoi que ce soit, rincer donc votre pompe à l'intérieur, bien sûr, la réamorcer avec le second matériau à pulvériser, et ensuite utiliser donc la deuxième sortie, le deuxième flexible et donc le deuxième pistolet pour pulvériser le deuxième produit que vous désirez appliquer. Et tout cela sans avoir besoin de changer le flexible si nécessaire, de dévisser le tout et puis de rincer également le flexible et le pistolet en lui-même. Donc cela peut également être un avantage de ce côté-là. Comme je l'ai dit, donc enfin pour concernant ces petits accessoires donc, que vous pourrez retrouver, vous aurez juste besoin donc de le fixer à la place de cet élément dessus. Et par la suite, au lieu d'avoir à réinsérer cette petite vis qui permet là actuellement de sceller complètement le contenu du carter, vous aurez en fait cette clé qui sera fournie donc avec ce type de raccord et qui vous permettra donc par la suite de très facilement sceller de nouveau l'intérieur du carter si vous désirez pulvériser uniquement avec un tuyau et donc un pistolet. Et après par la suite donc le dévisser très simplement pour pouvoir retravailler donc avec deux flexibles si nécessaire. Voilà, merci de nous suivre sur Airless Discounter, sur notre canal YouTube, Facebook par exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous appeler bien sûr. Nous vous laissons les liens nécessaires sous la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un message, à nous liker la vidéo bien sûr, ça nous aide. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.